Salut à tous les amis, je suis TheFantasy974, plus connu sous le nom de Fanta, et bienvenue dans cette vidéo découverte sur Cookserve Delicious 2 qui est sorti aujourd'hui ou hier, je me rappelle plus, et qui est un jeu sur lequel, enfin la suite d'un jeu sur lequel j'ai pas mal joué, notamment sur tablette tactile, parce que c'était plutôt cool, notamment en tactile justement, puisqu'en fait c'est un jeu qui vous met dans la peau d'un restaurateur qui doit faire évoluer son menu, devenir le meilleur restaurateur possible, et en fait c'est pretty hardcore, j'allais dire ça, plutôt hardcore. Et ouais, plutôt hardcore, mais très sympathique. J'espère qu'on va passer un bon moment, que vous allez vous marrer à me voir échouer lamentablement mes commandes dans un rush et une panique la plus totale. C'est le projet en tout cas pour aujourd'hui. Alors à savoir que le jeu est sorti hier, que le dev l'a sorti, mais il y a encore pas mal de bugs. Il s'en excuse, c'est ce qu'il dit en tout cas. Local save, une nouvelle. J'ai fait le tutoriel, je vais prendre le bon chef, celui que j'aime, sa tête en tout cas, qui me représente bien, voilà. Et on va commencer tout de suite la nouvelle campagne avec des nouveautés assez intéressantes par rapport au précédent opus, notamment la possibilité de faire des plats à l'avance pour gagner du temps. Voilà, grâce à ça, vous avez plusieurs plans de travail, mais c'est assez chaud à gérer, surtout que pour moi, c'est la première fois. Je vais aller dans la tour, je vais aller dans la campagne, et j'ai essayé Max Winners, mais sérieusement, ah non, on va essayer Max Winners. En fait, là, c'est que je peux faire ce que je veux, je peux faire choisir moi-même mes menus, alors que là, je vais choisir un restaurant tout fait, et je pense que c'est plutôt sympa, parce qu'au début, ça va être de la nourriture facile, bien dégueulasse et bien grasse, qui nous permettra éventuellement peut-être de survivre dès le premier jour, dans le cadre de cette vidéo découverte, mais ça m'étonnerait, parce que c'était un petit peu costaud. Alors, comme vous pouvez le constater, le menu est le suivant, les amis. Ça a été fondé en 2010 par Nathan Gill, Max Winners. En plus, Winners, ça fait un peu penser à Zizi. En gros, c'était une usine de fabrication de gras. Et qui s'est lancé dans la nourriture. Ok, donc je lis pas un petit peu toute la blague, mais en gros on va être à l'origine de ce fast-food qui va prendre sa place dans un métro, on dirait. Ok, et ben on y va mon gars, avec le premier menu débloqué sur Max Winners. On peut faire évoluer les menus au fur et à mesure de notre progression. Voici les médailles, c'est assez chaud hein. Tu vois, le nombre de médailles en fonction du nombre de jours que tu vas pouvoir faire et tout. Mais par exemple, faire moins de 8 ordres, enfin 8 commandes ratées, le premier jour, moi perso, je me vois pas comment je vais faire. Donc je vais tout de suite me lancer dans la fabrication. Ah merde. Hop. Voilà, je l'ai fait. Je fais aussi des bretzels. Tout d'avance, mon gars. Tu sais pourquoi? Parce que... en fait, c'est la merde. Ok, lui, il veut quoi? Des saucisses. Je l'ai fait d'avance. Ok, les saucisses, le bretzel. Ah, c'est pas encore prêt, c'est en train de cuire. Je sais pas quel genre de bretzel il veut, d'ailleurs. Ok. Oh! La saucisse est prête. Tu veux un regular bun? On va passer ici du... Alors, j'ai choisi de vivre... Enfin, de jouer. Parce que vivre, je vis. Du cheese, du relish... Ketchup, putain. Du ketchup. Et c'est bon. Ici, déjà bon. Ici, il veut rien du tout. Donc déjà bon. Ici, il va falloir faire cuire sa saucisse. Ici, déjà bon. Oh putain, les chiottes. Ok, alors c'est facile de voir quand c'est les autres qui font, hein, je vous le dis. Oh merde. Attends, je les ai laissés trop cuire. Ok, j'ai niqué le truc. Alors, premium bun, avec des oignons. Oignon, c'est le bouton A, moutarde. Oui, je trouvais que c'était plutôt pratique, la manette. Alors après, ce sont des avis qui peuvent diverger. Chacun son style. Il y a ceux qui réussissent. Et moi. Alors, queso, jalapenos et beans. Mon écran était plutôt grand parce que... Because la YouTube money. Oh putain, Rush Hour! Comment je vais faire, mon gars? Ok, celui-là était prêt. Hop, ketchup, rien. Ok. Lui, c'est quoi? Hop, mon gars. Ok. Oh merde, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une connerie. Winners. Ketchup.
ketchup. Hop. Ketchup, moutarde. Alors, queso, cream, jalapenos. Oh mon dieu, mon gars! Oh merde! Oh merde, ça a cramé! Ah merde, déjà. Alors, queso. On va dire beaucoup merde, hein, je vous dis. Oh mon dieu, mon gars! Mais mon dieu, mais non! Ah merde, ça cuit! Alors, regular bun, cheese, chili. Regular premium bun, oignon, moutarde, ketchup. La saucisse qui cuit. Alors, regular bun, cheese, relish, ketchup. Oh mon dieu, what the fuck? Les chiottes. Ok, ici. Premium bun, c'est tout. Oh, j'aime bien les mecs qui veulent le truc. Alors, lui veut quoi? Machine, fill. Ensuite, seal. Ouais! Ketchup. Ah oh, putain, on a survécu au rush hour, le mec. Alors, je vais quand même refaire des cornados. Merde, comment on les fait? Les chiottes. Parce que nous on aime la propreté. La salade ça devrait pas être dur. Salade c'est queso, sour cream, jalapenos. Hop, je sers. Ici les bretzels ne sont pas prêts du tout, mec. Oh merde, j'ai annulé. Ok. On va faire des bretzels. Classique, ça sera déjà pas mal. Attention, les chiottes. Le mec, il est vachement priorité les chiottes ici. J'en ai pas. J'en ai pas. Go fuck yourself. Alors, queso. Sur crime. On a raté l'heure de pointe. Hein. Enfin, c'est fini. C'est fini l'heure de pointe. Ok, j'en avais pas. Oh putain, des rats! Bon, j'en ai plus rien à foutre. J'en ai plus rien à foutre, les mecs. Ah! Oh. Ah, oh, mes saucisses! Je sais pas, c'est les classiques? Non, des German. Mais arrêtez! Premium. pretzel. Avec la moutarde. Oh là là. Ketchup. Heureusement que j'ai fait ça d'avance. Ketchup. Ah, la saucisse qui relance le truc, mon gars. La salade, c'est facile à faire. Hop, jalapenos. Ok, ici. Tu veux quoi? Rien. Ok. Ici. Mais pourquoi ça l'enlève, putain? Je me trompe de bouton, what the fuck? Ok, j'en mets un en troisième. Faut pas que je retourne sur le plan, en fait. Faut juste que je le fasse, je le serve, quoi. Ok. C'est pas grave. Oh putain, ça a cramé! Ça a cramé. Oh mon dieu, c'est le feu! C'est génial. Ok, c'est bon, le feu, c'est bon. Ici, la saucisse est cuite. Tu veux quoi? Du pain normal? Ok, fais pas chier, mon gars. Fais pas chier. Fais pas chier ou je te l'envoie dans la gueule, putain de sandwich. Ok. Ici c'est bon, il y a juste à les valider. Regardez ça, il y avait juste à les valider, Fanta. Ok, merci. Regarde les chiottes qui sont propres. Ce restaurant, c'est ma vie. C'est ma vie. Pourquoi elles sont dégueu ici en haut? Elles sont un peu pourries. Ah, ça dure pas longtemps, d'accord. Hop. On va les nettoyer. Donc ici, on va les faire. Pourquoi elles durent pas longtemps, les germes? Hop. Oh merde, des cafards! Le piège est posé. Ici, avec rien du tout. Oh putain, c'est fini, putain, on a géré les mecs. On a géré 44 clients. Une combo de 10 réussis, c'est plutôt cool. 33 perfect order, 8 barres d'order. Mais 8, ça me permet d'avoir une médaille, ça, mon gars. Non, putain, c'est moins de 8. Fuck you, motherfucker. Très bien, bah écoute, on va partir pour le deuxième jour.
Ah ouais, donc à partir du moment où c'est pas U, je suis obligé de taper un deuxième joueur. Ah ouais, c'est bloqué. C'est quoi, il me faut des médailles pour ça? C'est possible. Ce que je vous propose, c'est dans ce cas-là, partir sur un nouveau jour. Je vais essayer de... Menu preset, voilà. Ah, ok. Les entrées. On va mettre un truc facile à faire. Des céréales. Ok. Ensuite, des sides. Ah, ça, c'est ce qui permet... Mac and cheese. Macaroni et fromage. Pour leur permettre de patienter. Donc là, ça c'est du menu de champion, tu vois. Par contre, les entrées, en fait, c'est des plats. C'est pas des... Il faut en mettre plusieurs. J'ai pas trop le choix. Donc ça va être steak aux oignons. Et le troisième... Hop, ouais, donc steak aux oignons et bretzel. Je pense avec ça on peut. On s'est quand même donné un gros challenge, hein, j'ai l'impression. En plus, j'avais pas de side qui me permettait de les faire patienter. Ok, et on va partir dans les drinks s'il veut bien. Go back. Et on va mettre le menu du jour, la fontaine. Ok. Et on va. Alors, le buzz, c'est quand vous assurez comme une bête, ça fait le buzz et ça augmente un petit peu la fréquentation de votre restaurant. Et notamment aussi, c'est important par rapport au menu. Par exemple, il faut varier tous les jours la même chose, c'est pas bon du tout. Et au fur et à mesure, il va falloir acheter des nouveaux équipements, il va falloir acheter des nouveaux, comment ça s'appelle, des nouvelles recettes. Et j'ai vu aussi que le dev avait prévu, puisque c'est un mec qui est tout seul, de faire des recettes en DLC gratos. Super cool. Alors, daily. 5 combos, c'est possible. 2 perfect days. Oula, ça va être un peu dur. Ok, milestone, 500 drinks. Oh putain, mon gars. De toute façon, c'est mon resto. Je vais y arriver, mon gars. J'ai peur de rien. Allez, les pretzels, ça va être un peu moins dur sur ce coup. Hop, et on va faire les germains. Je ne sais absolument pas faire la différence entre les deux. Ah, mais ça pue les germains, d'accord. Enfin, les germains, les allemands. Salut, Jean. Est-ce que vous voulez prendre des commandes? Ok, je fais cuire ton steak, mon gars. Oh, cette musique! On se croirait dans Brésil, le film. Hop, tu veux quoi sur tes céréales? Choco crisp? Avec du lait? Ok, pas de problème. C'est mis, hein? Ouais, t'es content, hein? Le steak? Tu veux quoi? Du M gravy? Oh merde, je me suis trompé! Oh! C'est dégueulasse. Les chiottes. Bon, alors là, je panique pas parce que, comme vous pouvez constater, il est 9h du matin. C'est pas encore le rush. Oh là là, ça va commencer à puer un peu partout, hein. Ok, toi, tu veux quoi? Des céréales, c'est normal, c'est le petit-déj. Des juicy oats, je connaissais pas avant. Tu veux quoi? Du lait avec des strawberries. Oh, ça a l'air délicieux comme petit-déjeuner. Ah, c'est pas exactement ce qu'il a demandé. Steak au beurre. Cette musique. Eh, dis donc, tu pourrais te laver quand tu viens au resto. Ok. Alors, toi, tu veux quoi? Des Fiber Blast, c'est pour aller faire caca, bien sûr. Il faut le dire, mon caca. Sinon, c'est pas une bonne vidéo Fantabob Games avec Beat. Ok, toi, tu veux le steak et de la M Gravy. Ouais! Mushroom Gravy, donc c'est la sauce aux champignons, bien sûr. Hop. Hop, ici. Ah, t'as vu, j'avais tout prévu. Ah, c'est pas bon? Pourquoi c'est pas bon? Alors, oulalalala, mais va, arrêtez vos conneries. Alors, attends. Tu veux quoi? Des Choc Crips. Ensuite, avec du lait. Et des fraises. Ok, toi, tu veux quoi? Des Choc Crisps. Avec du lait. Et fais pas chier. Ouais, tu veux. Je fais toutes les céréales d'abord parce que c'est relativement facile, même si je suis obligé de regarder à chaque fois à droite en me disant merde, what the fuck. Des fraises, ok. Lui, hop, 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 ça j'ai compris le principe. Ça c'est bon, c'est prêt. Lui, je vais lancer le steak. Hop. Là aussi, tout ce qui est steak, la cuisson, je vais lancer. Par contre. Hop, attention, c'est Fire Blast. Ah merde, y'en a un que j'ai pas pu faire. Des fraises. Ah, cornflakes, cornflakes, oh putain. Avec le lait et les fraises. Merde. La cuisson qui va être bientôt trop cuite, hein, bien sûr.
Bientôt trop cuite, tu veux quoi? Le steak avec de la hen gravy, pas la peine de gâcher tout. Tout le bon travail qu'on a fait avec de la gravy normale, ok, pas de problème. La sauce, hop, de la hen gravy. Oh merde, je me suis trompé, tu te démerdes. De hen whites, d'accord, avec du lait. Je m'éclate. Oh merde, c'était les bananes. Fuck you, motherfucker. Merde, les chiottes, hop. Il faut pousser un petit peu les poubelles. Ici, hop, hop, tu veux quoi? On va mettre un petit peu ça. Merde. Oh putain, j'ai réussi à faire un truc. Gravy. Hop, au gravy, c'est du... Ah. Oh, et le bretzel, il n'y en a plus. Alors pour cela, il va falloir que je fasse cuire des bretzels. On va le faire classique parce que les autres, ça pue du cul. Ok, hop, hop, ok, c'est bon. Oh putain, regardez-moi ce rush hour qu'on a géré comme des princes. Bon, avec seulement 3 perfect combos, c'est pas terrible. Ah, alors toi, tu veux quoi? Choc Chris, ça sort là que tu viens prendre ton... Hein? Bon, avec des blueberries. Quoi, c'est raté? Je les ai fait cuire trop longtemps, peut-être. Hop. Bien sûr, n'oubliez jamais de vous laver les mains après ce genre de manipulation. Quand c'est cuit, je pense qu'il faut que je fasse quelque chose. Ah, c'est bon. Non, il faut que je fasse rien. Je fasse rien. Il y en a juste qui sont ratés, quoi. Oh, putain, la vaisselle. C'est bon pour là, c'est bon pour ça, hop. What the fuck is this truc? Ah, il fallait que je nettoie. Ok, les chiottes. Merde, c'est pas les chiottes, ça. Ouf. Personne ne dira que c'est sale ici. Tu veux quoi, du gravy? Oh, c'est pas la bonne, mais c'est pas grave, tu m'en veux pas. Ton steak, je te le fais cuire, y a pas de souci. Toi, c'est bon, c'est valide. Toi, tu veux quoi? M-Wits, avec des blueberries. C'est A et du lait. Pas de problème, mon gars. Ici, le steak est en cuisson, pas de souci. J'envoie le steak, c'est parti. Oh merde, j'ai pas mis quelque chose qu'il voulait, mais c'est pas grave, tu fais avec, mon gars. C'est ça la restauration, qu'est-ce que tu crois? Ok, egg gravy, c'est bon. Oh. Choc crisp. Hop. Nick, bananas. Hop. Oh là là, attention, le steak est cuit. Avec de la gravy. Ah, c'était pas la bonne sauce ou quoi? Trop cube. What the fuck? Je fais de la merde. Je fais de la merde, il y a de la révolte. Peut-être j'ai mis du beurre sur leur steak et ils en voulaient pas. Tu sais quoi? Alors, Fiber Blast. Ok. Putain, mais arrêtez avec la musique qui fait stresser. Oh merde, c'est pas bon. Tu prends du lait, tu fais pas chier. Ouais. Ok, d'accord. Ah! Ok. Ah, ah, mon gage. On a tout prévu pour les occuper. Ok, ça c'est bon. Hop, le steak et M gravy, c'est le bon bouton cette fois-ci. Ici, de la M gravy, c'est le bon bouton ici. On va faire la vaisselle parce qu'on est trop fort. Ah, je commence à me détendre, dis donc, mon gars. Hop, je me lave les mains parce que je suis pas un gros porc. Dans notre restaurant, on mange propre ou on mange pas. Hop, bon, tu peux manger cramé, on va te servir ce que tu veux pas, mais c'est pas grave. Et on n'a pas de rat parce que j'ai fait mon boulot. Hey, belle journée en perspective. Allez, ça en fait cuire. Il y en a qui veulent des céréales à cette heure-là, mais tu fais chier, là. Les clients chiants. Oh merde, je vais pas donner son lait. Les céréales sans lait, c'est pas terrible. Ah, les toilettes sont propres, c'est merveilleux. Merde, pourquoi j'ai stoppé? Bon, à cette heure-là... Oh putain, il veut des bretzels à cette heure-là. Ah mais putain, j'aurais pu faire des macaronis. Pour les faire patienter, je l'ai pas fait comme un gros tarde. Ah, c'est pas grave. Bon, il va falloir que je fasse cuire des bretzels qui n'arriveront jamais, bien sûr. En tout cas, pas quand elle sera contente. Peut-être les macaronis pourraient la faire patienter. Puisque là... ouais. Peut-être. Voilà. Trop contente. Eh ben, je n'ai rien réussi. Oh si, j'ai réussi quelque chose. On me donne une jolie carte complètement moche. De quoi décorer mon restaurant. C'est génial. Waouh. Un mur dégueulasse. Ouais, une table. Oh, mieux qu'Overwatch.
Eh bien les amis, j'espère que cette découverte vous a plu. On est content de retrouver cette licence, enfin cette licence, ce petit jeu sympa qu'on aime bien et qui peut nous tenir en haleine pendant des heures et des heures, mais qui peut rendre complètement fou parce que vous imaginez pas le bordel que c'est dans le niveau élevé. Parce que ça, c'était des recettes faciles, c'est-à-dire qu'on s'est tapé quand même deux niveaux faciles. Alors bien sûr, vous aurez mieux géré, il n'y a pas de souci. Je me suis pas entraîné, j'espère simplement que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour nous soutenir, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et je vous embrasse, je vous dis à bientôt, c'était Fanta.